Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, vidéo comparaison de starters. Donc entre un starter normal et un starter électronique. Depuis le temps que vous me la demandiez cette vidéo, bah voilà, ça y est, j'y ai pensé. Enfin, hein, c'est pas trop tôt, remarque. Donc du coup voilà, hein, donc là, bon, un starter électronique Mazda, hein, puis ça, un starter normal Osram ST111. Hein. Voilà, donc celui-là, je vais l'installer là. Voilà. Hop. Le starter électronique Mazda de l'autre côté. Et puis on va faire comme ça dans toute cette vidéo. Hein. Voilà, ça y s'est installé. Alors donc après, bah, j'ai pris des tubes, hein, bah, tous les cas de figure possibles. Hein, donc c'est-à-dire, j'ai pris deux tubes qui fonctionnent, deux tubes qui clignote et bon bah j'ai qu'un tube d'aide avec moi. Enfin, en vérité en fait j'en ai deux. Le problème c'est que parmi les deux il y en a un qui est percé. Donc du coup un tube percé on pourra pas voir qu'il est d'aide de toute façon. Donc du coup voilà, donc bah je vais installer les deux tubes à droite, donc c'est-à-dire les deux tubes qui fonctionnent, et on va comparer l'allumage entre le starter qu'il y a ici et le starter qu'il y a ici. Je reviens. Bon voilà, ça y est, les tubes sont installés. Donc là, j'ai mis le téléphone en mode fixe parce que bah, je ne peux pas malheureusement brancher et filmer de l'autre côté. Voilà. Allez, j'allume. 3, 2, 1. Voilà, donc le starter électronique fait directement allumer les électrodes. Directement. Alors que bah, le starter classique, lui, s'allume d'abord et ensuite fait allumer le tube. Je vais le refaire une nouvelle fois. Regardez bien. Ah, si, c'est bon. Il a failli ne pas s'allumer là. Hein. Une dernière fois. C'est vrai que ça tire un peu sur les électrodes quand même. Voilà, donc pour la partie donc, où on fait fonctionner, ça donne ça. Bon, bah maintenant, ce que je vais faire, je vais changer les deux tubes et mettre deux tubes EOL et on va pouvoir voir la différence. Et voilà, ça y est, j'ai installé les tubes EOL. Donc bon, ça se voit très bien hein, ici, hein, que c'est bien cramé, hein, surtout le SRAM à droite, là. Et bon. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'un. Hein. 3, 2, 1. Et voilà, donc bah, en fait sur starter électronique, hein, tout simplement, il va essayer de stabiliser le tube. S'il n'y arrive pas, ça s'éteint, voilà, tout simplement. Alors que bah, de l'autre côté, au final, bah, qu'est-ce que le starter fait? Et ben ça fait que bah, le tube clignote. Voilà. Voilà, ça fait ça. Donc là, je vais éteindre. On va attendre un petit peu que le starter reprenne ses esprits. On va faire ça comme ça. Et je rallume pour une deuxième tentative. Et voilà, bon bah ça marche pas. Hein. Donc bon là c'est clairement la preuve que voilà hein, le tube n'arrive pas à fonctionner. Hein. Et donc du coup bah voilà c'est signe d'un tube en fin de vie. Alors bon je pourrais essayer avec le tube à côté, mais ça va faire exactement pareil. De toute façon j'ai déjà essayé avant. Du coup voilà. Bon bah maintenant je vais pouvoir installer un tube d'aide. Et vous allez pouvoir voir la différence. Bon voilà, ça y est. Donc là, j'ai installé le tube d'aide à droite. À gauche, j'ai débranché le starter. Donc c'est normal que rien ne s'allume. Hein. Et donc du coup, bah, avec un tube d'aide, hein, voilà. Donc là, ici, on voit que l'électrode hein, s'allume très légèrement. Hein. Regardez. Hop. Ouais, on voit que ça s'allume légèrement. Voilà, donc là, bon, bah, preuve que le tube est dead. Et puis j'ai tout essayé, y a rien à faire, hein, j'arrive pas à reconnecter l'électrode. Bon, bah, maintenant, j'ai installé ce tube-là de l'autre côté.
Voilà, ça y est, le tube est installé, donc sur le starter électronique que j'ai branché. Et donc si j'allume, et ben en fait, bah voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Bah en fait, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Il n'y a absolument rien qui s'allume en fait avec un tube d'aide sur le starter électronique. Donc bah du coup voilà les différentes possibilités. Alors bon, je sais pas si vous attendiez à ça. De la part d'un starter électronique, la réaction avec un tube EOL. Je sais pas. Dites-le-moi dans les commentaires. Puis bah moi c'est bon, j'ai fini. Alors après, bon, on pourrait me poser la question, qu'est-ce que ça fait avec un tube qui éclaire rose? Je ne sais pas, parce que bah j'en ai pas. Donc je peux pas me poser la question sur quelque chose que j'ai pas. Donc du coup, voilà, en tout cas, je fais la présentation avec ce que j'ai. Voilà, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard!